C'est l'histoire écrite de deux chatons hypocrites qui ont été condamnés à une mort subite pour avoir fait de la haine de l'autre leur passion favorite et de la fausseté leur ordre de mérite. Le premier est sémite, le second antisémite. Qui est qui? À cette question, ils n'ont jamais donné suite. L'un est peut-être israélite, l'autre peut-être ismaélite. Leur secret est trop bien gardé, aucune fuite. Comme si les deux étaient inspirés par le même mauvais génie, Efrit. Pour eux, ce petit jeu n'a rien d'insolite. Parce que l'identité n'est jamais fortuite. C'est notre part maudite qu'il faut dissimuler tant qu'on n'a pas atteint le zénith. Au porc, il ne faut pas offrir de pépites sans savoir à qui le profit profite. L'un n'est que ce qu'il est. Il est né sémite. L'autre n'est que ce qu'il fait. Il s'est fait antisémite. C'est tout ce que l'on sait au sujet de ces deux acolytes. Cui, 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 cui. Ils font la paix. Mais c'est pour la guerre qu'ils militent. Ce n'est pas la vérité, mais l'ambiguïté qu'ils ébruitent. Les deux prétendant faire partie de l'élite, alors qu'ils sont clandestinement prosélytes. Ils observent quasiment les mêmes rites, le même mythe, de la poudre aux yeux pour l'un, et pour l'autre, de la dynamite. Alors lequel a une sionite, lequel est wahhabite, de Wall Street ou de l'Arabie Saoudite? Double jeu. Les deux alternent réussite et faillite, licite et illicite, bonne et mauvaise conduite, jusqu'à ce que Dieu les acquitte. Oh, une dernière dépêche vient de tomber. Ce n'est pas trop tard. On m'apprend que ce ne sont que deux bâtards originaires du Qatar. Comme c'est bizarre.